Personnellement, je n'aime pas quand les oignons cuisent beaucoup, juste 2 ou 3 minutes, vous lèvez le goût et c'est parfait. Oui, au cas où vous préparez pour d'autres personnes, il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand les oignons ne sont pas bien cuits. Exactement, comme moi. Je n'aimerais pas sentir les oignons lorsque je vais dans mes réunions. Oh, nous avons une question venant de Claudia. Claudia veut savoir pourquoi Isabelle ne sait pas cuisiner. Premièrement, ce n'est pas entièrement vrai. Je peux cuisiner, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Ok, on va continuer. Raison pour laquelle tu as eu une liaison avec Dominique pour qu'il puisse cuisiner pour toi. Oh mon Dieu, tu es sortie avec Dominique. Ok, je pense que nous ne devons pas aller. C'est vrai. Écoute Anne, ce n'est ni le bon moment, ni le bon endroit pour avoir cette conversation. Pendant tout ce temps, Anne, s'il te plaît, calme-toi. C'est pour ça que tu es venue me voir. Ok, mesdames, ne sortons pas de notre sujet. Mila, attends. Pour jauger ta rivale. Arrête Anne, nous ne sommes pas en compétition. C'est pour la cuisson. Tu n'as pas le droit de me juger, Anna. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé, ni les problèmes que j'ai. Oh, je t'en prie, tu es née avec une cuillère en argent dans ta bouche. Tu passes ton temps à prendre et à prendre aux gens. Ah non, ça c'est une grosse généralisation sur des gens riches. Anna, comment oses-tu? Mais maman, tu as fait cette même généralisation quand j'ai commencé ce blog. En disant que le droit était la meilleure option. Ce n'est pas comme voler le mari de quelqu'un, n'est-ce pas? Elle a entraîné mon mari dans une formation sans m'en informer au préalable. Voyons, Aïda, il faut avouer que si elle t'en avait en parlé, tu allais vraiment t'y opposer. Toi, tu peux parler, hein? Toi qui vas foutre ton nez dans mes affaires au point de dévoiler des informations confidentielles par fin connu. Incroyable, Nabou. Ça, c'est vraiment malhonnête de ta part. Mais c'est du n'importe quoi. Tu sais très bien que tout ce qu'elle a fait, c'était pour t'aider. Merci. Tu ne peux pas simplement accepter l'aide de quelqu'un. Parce que je ne suis pas aussi naïve que Nabou, Isabelle. Personne ne fait des choses gratuitement dans la vie. Wow, ok. Peu importe, mais moi si. M'as-tu compris? J'ai mis Anna en rapport avec la première dame pour bien augmenter sûr sa popularité. Je n'ai rien demandé en retour. Madame Johnson, vous étiez devant la moindre petite photo. C'est pas pour rien, ça. Tu es ingrate. C'est pas juste ce que tu dis. Madame, qu'est-ce que tu racontes? Mais pas toi, Nabou. Qu'est-ce que tu as fait quand j'ai demandé ton aide? Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. J'ai demandé ton aide. Les filles. Ok, alors, d'après ce que j'ai vu, vous avez fait un carton sur Internet. Vous devez en être fier. Tu te fous de moi, là, Fred? Avec tes mauvaises blagues, ce n'est pas amusant, Fred. Je préfère qu'on en rigole au lieu que les gens se moquent de nous. Mais papa, les gens se moquent de nous. Mon rire a cramé au feu en regardant ces femmes se crêper les chignons. Pour Anaïs, ça clique, aucune pudeur à laver le linge sale en public. C'est honteux. Mina sombre éteint sa main. Ça suffit! Ça suffit! Allons, les filles, ce n'est pas si grave. Ah bon? Il faut le dire au conseil de direction de l'hôpital qui me convoque pour expliquer ce qui s'est passé hier en ligne. Ces chirurgiens tendus n'ont aucun sens de l'humour. Qu'ils apprennent un peu à se détendre. Alex sera furieux. Alex? Crois-moi. Il a de plus gros ennuis à gérer. Son projet avec le ministre a été remis en cause. Et bien d'autres choses. Et ce matin, ce ministre a été arrêté. J'ai bien peur qu'Alex ait besoin d'un avocat pour sa défense. Quoi? Là, tu vois, comparé à lui, t'as pas de problème.
Bien. Fais-moi signe s'il a besoin d'aide. Ça me plairait bien de reprendre du travail. Frère! Quoi? Tu vois, là, c'était une blague. Maman, regarde. Oh, c'est grave. C'est très grave. Oh, wow. Oh. Oh. Son téléphone est éteint. Qui est-ce que tu appelles? Allô, madame. Oui, c'est Mina. Ah non. D'accord, d'accord, et au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Mina? Il est détenu, maman. Ses parents sont en train d'appeler des avocats. Une minute. Bonjour, madame la première dame. Oh, oui. Oui, c'était moi.